Bonjour à tous. Les médias. Je vous laisse vous installer. Les médias occupent une place majeure dans la vie des Français. Ils regardent la télévision en moyenne 3h26 par jour. Ils ont été 24 millions d'entre eux derrière leur écran le soir du 18 décembre dernier pour la finale de la Coupe du Monde de football. Ils n'en sont plus les seuls aujourd'hui à capter l'attention des téléspectateurs. Toutefois, regarder la télévision demeure la première activité de divertissement. Facteur de cohésion sociale et de partage de valeurs, même à l'heure du Big Bang médiatique, ces médias continuent de jouer un rôle dans la construction de nos valeurs et participent de notre démocratie. La consommation individuelle génère un bien-être et un bénéfice collectif. Il participe pleinement à la transformation de nos sociétés. Qu'en est-il sur le plan de la parité C'est le thème des Assises 2023. Et pour en parler, j'accueille neuf dirigeantes et dirigeants de grands groupes médias français et je vous demande de les accueillir. Donc, dans l'ordre alphabétique, mais allez-y monter, donc Delphine Ernotte, présidente du groupe France Télévisions, Mariam Salehi, directrice générale de l'énergie, Lucie Baudet, fondatrice de Combini, Pierre Louette, président des Échos et du Parisien, Maxime Saada, président du groupe Canal ⁇ de Dailymotion et du Studio Canal. Arthur Dreyfus, président du groupe Altis France et Altis Média. Cécile Méji, directrice de France Média Monde. <laughs> Rodolphe Belmer, directeur, président-directeur général de TF1. Et Nicolas de Taverneau, président-directeur général du groupe TF1. Merci beaucoup. Je, je, je crois que peut-être un, un siège en trop, on va le retirer. Ouais, mais moi je vais rester, je vais rester ah, debout. Je vais rester debout. Je te le... On va se tirer un petit peu. Ça va, moi je vais rester debout. Allez, Nicolas, si tu veux te décaler un tout petit peu, ça t'évitera d'avoir les genoux dedans. On va y arriver, tout va bien. Ils sont tous là. Comme je le disais en, en, en aparté, je, je crois que le CSA, l'ARCOM l'aurait rêvé. Bah, C'est Epoke, IWF, WF, qui l'ont rêvé. Voilà, et on l'a fait. Merci à vous. Merci à vous tous d'être présents. Alors je rentre directement dans, dans le vif euh, du sujet et je vais commencer par, euh, par vous, euh, Rodolphe Belmer et, et Pierre Louette. Hein, tous les deux depuis que vous êtes arrivés euh, au sein de votre groupe, donc euh, Les écoles le Parisien pour Pierre et puis euh, TF1 pour, euh, pour Rodolphe. Dès votre arrivée au sein du groupe, eh bien, euh, votre attention a été particulière sur le principe de la, du respect. De la, de la parité au sein des instances dirigeantes. Peut-être que je commence par, euh, par Rodolphe, président de, de, de TF1. Qu'en est-il aujourd'hui du comité exécutif Comment vous avez vu et comment vous avez souhaité voir évoluer en matière de parité la, la gouvernance au sein du, au sein du groupe Merci Nathalie. C'est vrai que les, euh, euh, je, je comprends que tu amènes ce sujet en, en introduction parce que l'évolution a été assez spectaculaire au sein du. Euh, du groupe TF1, puisque effectivement, et on ne se vante pas du résultat, mais on, 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 le, on le souligne, le comex du groupe TF1 est toujours du paritaire avec cinq hommes et, et cinq femmes. Et le côté un peu spectaculaire, c'est pas ça, parce que ça c'est assez normal. Le côté assez spectaculaire, c'est que on vient d'une situation où on avait une femme au comité exécutif euh, il y a quelques mois, euh, et donc on a eu une euh, une évolution très forte. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma carrière. Je l'ai fait quand j'étais à Canal, je l'ai fait quand j'étais à Eutelsat dans le dans un secteur très différent, dans le dans le dans le spatial. Euh, le, je pense que c'est absolument indispensable pour les entreprises, pour l'exemplarité des entreprises et aussi pour la motivation de l'ensemble de l'organisation de, de d'avoir un comex qui soit euh, qui soit paritaire. Euh, évidemment, c'est pas toujours facile parce que euh, on est toujours confronté à des, euh, à des réflexions sur le, la, la capacité de prendre ce genre de décision. Alors moi, j'ai une, une méthode assez simple, je le cite pour les gens qui sont venus nous écouter et qui, peut-être, sont en recherche de petits trucs, je fais des listes. Et depuis le début de ma carrière, je fais des listes des, des gens top avec qui j'aimerais bosser. Et donc, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Et donc, quand j'arrive dans un job, bah, je me sers de ces listes-là pour recruter les, euh, les personnes dont j'ai besoin pour constituer une équipe de Champions League euh, paritaire. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée Parce que j'ai vu qu'en matière de profil de dirigeants dans le numérique, vous avez une attention, ou dans les services d'information, ce sont des directrices aujourd'hui Alors, en fait, on a, euh, dans les nouvelles personnes qui ont rejoint le comité exécutif de, du groupe, effectivement, les deux dernières euh, personnes recrutées, c'est la directrice des technologies et systèmes d'information, euh, qui s'appelle Raphaël De Flessel, qui nous a rejoint il y a, il y a quelques jours, littéralement, c'était début juin, et puis euh, la, la directrice du digital, Claire Basini, qui nous vient de, de Brut, et donc qu'on a recruté pour prendre cette fonction et conduire les, les efforts qu'on doit mener pour lancer la plateforme de streaming gratuite du groupe TF1. La question de, de la tech est évidemment fondamentale et de la place des femmes dans, dans la tech, on, on, on y reviendra parce qu'il y a plein d'autres exemples. Je me tourne vers, vers vous, Pierre Louette. Lorsque vous êtes arrivé, j'ai entendu dire que vous aviez mis en place un grand plan, justement, de, de réorganisation et avec une attention toute particulière en matière de, la, de parité. D'abord, bonjour à, à, dire à toutes et à tous. Les, les tous sont assez clairement minoritaires de, devant moi. Bon, c'est bien, ça change un peu de, de ce qu'on voit dans d'autres euh, cénacles. Euh, deux choses simplement, en fait. D'abord, moi, je me suis rendu compte en arrivant qu'on avait besoin de continuer à pousser la couverture dans nos supports de ces sujets-là. Et notamment, euh, le Parisien a assez vite commencer à, au fond, à animer une espèce de, de combat contre les violences faites aux femmes. Alors, tu sais qu'on en parle plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais il y a cinq ans, c'était un fait divers, c'était, là, on a vraiment décidé que c'était une cause nationale, on, on l'a beaucoup poussé, le parisien a cette capacité un peu à, à lancer des choses qui sont beaucoup reprises par d'autres médias après. Ça, c'est pour l'aspect sociétal très vite, et on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Pour l'aspect gouvernance, alors, il y a eu deux, deux choses. D'abord, dans la gouvernance euh, euh, au niveau COMEX, je n'ai pas un mérite infini. J'ai trouvé un COMEX qui était déjà très féminin. Aujourd'hui, on est 9 sur 13, 9 femmes sur 13. Euh, donc, c'est très, très féminin. Il euh, y avait déjà beaucoup de femmes à des postes de direction. J'en ai nommé d'autres. Hein, ça ne m'a pas empêché d'en nommer d'autres en assumant qu'à un moment, il y avait un déséquilibre. On en parlait avec Delphine tout à l'heure. Bon, C'est vrai qu'à terme, il vaut mieux viser l'équilibre. Il ne faut pas non plus avoir un déséquilibre majeur d'une catégorie. va enfin, passer de très profonds déséquilibre à un peu une surpondération des femmes, c'est pas mal pendant un moment. Moi, je m'en porte très bien. Pardon de le dire comme ça. et Le groupe, pas trop mal, merci. Mais on a une patronne pour les échos, une patronne pour euh, éditrice, pour le Parisien. RH, euh, elle est là. Euh, finance, enfin voilà. Data. Les deux directions numériques sont dirigées par des femmes, voilà. donc à, à, tout, à, toutes les, à tous les gens de poste. Côté, côté rédaction, on a passé deux accords, un accord en février 2019 pour les échos et puis un accord en 2020 pour le parisien. Et là, on a dû passer euh, à une étape chiffrée. Je, je m'explique. Arrivant euh, plein d'intentions, comme on dit, générales, génériques et généreuses, je dis, bon, bah, on va faire un effort, puis ça ira. Et là, les femmes de la rédaction me dit « non, ça, c'est ce qu'on nous a dit il y a cinq ans. Donc, il y, y a eu oui. des petits efforts, mais ça n'a pas été. Et donc, on veut des objectifs chiffrés. Donc, on a mis en place des chiffres. Alors, ça, c'est des quotas. Il y a un débat toujours là-dessus. Il y en a qui n'aiment pas. Bon. Donc maintenant, on avait déjà une légère majorité de femmes dans la rédaction, mais bizarrement, ça s'arrêtait au niveau des chefs de service, surtout rédacteur en chef adjoint et rédacteur en chef. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de patron des rédactions, aux Parisiens, aux Échos, qui soit une femme. Il y en a dans d'autres antennes, heureusement, surtout dans d'autres médias, mais ça reste une, une, une aspiration, une possibilité. Moi, je dis toujours que je ne, je ne proposerai pas un choix si ça n'est pas le meilleur choix pour la rédaction. Ce n'est pas parce que ça serait... Voilà, je je n'irai pas jusqu'à que... déformer le, le, le. Mais par contre, on a beaucoup remonté avec ces 40% d'objectifs qu'on a mis. Il y a maintenant 40% de femmes à des postes de direction dans les étages de la rédaction. Elles ne sont plus cantonnées, au fond, à une majorité dans les étages inférieurs. Donc merci beaucoup, parce que ça, c'est vraiment hein, le, le point. On en reviendra sur la, la question de la mesure euh, finalement. Peut-être juste encore, euh, Rodolphe Belmer, sur ce point-là. Vous venez de recevoir, hein, en tout cas, il y a un programme particulier sur le prix de la responsabilité des médias pour justement la politique de parité que vous menez avec les expertes à la une. Vous nous en dites juste un, un tout petit mot. En tout cas, on pourrait vraiment les, les féliciter parce que c'est un, un point qui est très important. Les médias s'engagent sur la, sur la parité. Oui, c'est un prix important qui nous est attribué par un jury de haute qualité présidé par une personne éminente. C'est moi. <laughs> Voilà, donc on était très émus de, de, le, de le toucher. Non, effectivement, au-delà de la, de, la, de la blague, c'était un, un prix qui nous a été attribué notamment pour un programme qu'on a qui s'appelle Experte à la Une, qui est un oui. programme assez intéressant, en fait, qui vise à euh, améliorer la, la parité dans l'expression sur les plateaux de, de télévision de femmes aux position d'expertise. Donc on s'est rendu compte il y a, il y a quelques années qu'on avait du mal à, excusez-moi de, de, de la trivialité, mais d'accueillir sur les plateaux, d'alimenter les plateaux dans, euh, de, de façon paritaire pour exprimer des points de vue experts sur des sujets euh, scientifiques, économiques, industriels, etc., pour aller euh, porter une parole euh, accompagnant les propos de, de nos journalistes. Pour pallier cela, on a lancé un programme de formation. Où chaque année, on forme une trentaine de personnes, une trentaine de femmes expertes dans leur domaine, mmh. au métier de la télévision et surtout à la prise de parole à la télévision, ce qui permet de développer un vivier euh, d'expertes femmes prêtes à venir passer euh, à la télévision sur nos antennes et aussi sur les antennes de nos, de, de nos confrères. Ce qui a fait, euh, je dirais, bondir le taux de femmes expertes qui s'expriment sur nos plateaux. Mmh. On est passé de 25%. Il y a cinq ans, avant la mise en place de ce programme, à plus de 50% cette année, on en est à 53%. Et donc, on pense qu'en termes d'exemplarité, en termes d'exemplarité du, du, du propos, en termes de caractère aspirationnel, avoir des femmes en position d'expertise dans des métiers qui sont valorisés par, par les spectateurs, c'est très important. Pour faire progresser la, la, la société et créer des rôles modèles aspirationnels au-delà de ce qu'on peut faire pour nos présentatrices, nos réalisatrices, nos actrices, etc. C'est toute la spécificité des, des médias et des entreprises médiatiques. Rôle social et rôle sociétal, on y reviendra. Pierre-Louis, vous voulez ajouter un point Juste un point, vraiment, je, je, je souscris totalement à ce qu'a dit Rodolphe, et ça formidable qu'ils qu aient fait ça. Nous, on a, on a créé quelque chose de, de plus modeste, mais un peu comparable, qu'on a appelé le paritomètre, qui est une forme de barbarisme, <laughs> un nouveau mot. Typiquement pour cette question, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez besoin d'un ou d'une experte, c'était souvent un expert, c'est ce que Rodolphe disait. Pourquoi Parce que souvent d'ailleurs les, les hommes qu'on appelle disent « bon c'est pas ma spécialité mais je peux répondre ». Ouais, toujours, en plus je suis dispo donc, toujours. Euh, alors que souvent les familles moi, j en moi fait, j'ai un collègue qui est bien meilleur que moi je vais vous le passer et puis en plus moi je ne peux pas pouvoir là parce que j'ai tellement de trucs à faire à la fois bon. donc maintenant on a dit avant d'écrire avant de publier, vérifie qu'il y a autant d'expertes que d'experts, voilà c'est ça le paritomètre le parisien essaie de l'appliquer, c'est un combat quotidien hein, parce qu'il faut trouver effectivement et sourcer euh, celles qui vont pouvoir euh, nous parler merci beaucoup, Delphine Ernaud donc vous êtes euh, à la tête du groupe France Télévisions depuis, euh, depuis 2015 vous avez mené une politique de convergence salariale. Vous, justement, vous avez du temps long à, maintenant à la présidence de, de ce beau groupe. Quelles sont les évolutions que vous avez vues, que vous avez pu mesurer Et justement, quels sont les instruments que vous utilisez un peu, à la, finalement, après l'exemple donné par, par, par Pierre Louette et Rodolphe Bellemain alors c'est vrai que le service public et je, je parle pour moi mais aussi pour ma collègue Sibylle Veil, et pour Marie-Christine qui est, qui est bien représentée, pour Laurent Vallée, enfin. Pour Arte aussi, pour tout le monde, on est un peu poisson pilote sur cette question de l'égalité et on est devant euh, tout le monde parce qu'on euh, est service public et on a un devoir particulier d'exemplarité, ce qui ne me choque pas. Donc, euh, ce qui a été mis en place et qui a été très bien dit par euh, Rodolphe et Pierre, ça fait longtemps qu'on le fait. Donc, nous, on a des quotas. Voilà. On a 50% d'experts depuis maintenant plusieurs années. Euh, on a une égalité salariale il y a encore 1% d'écart mais tous les ans on, on compense euh, on, on, réduit, euh, on réduit le trou donc 1% je pense que voilà, on va, on va finir par, euh, par y arriver euh, on, on essaie aussi de féminiser les métiers créatifs parce que euh, comme tu le soulignais assez justement euh, dans ce qu'on présente sur nos antennes euh, bah, on se dit que c'est bien que toutes les, toutes les sensibilités soient représentées je ne suis pas essentialiste, hein, euh, mais, mais après tout, euh, on n'est pas éduqué de la même manière entre hommes et femmes, et je trouve ça bien qu'il y ait aussi de la parité derrière, euh, derrière la caméra. Donc, on s'est engagé à ce qui est euh, des expertes, euh, enfin pas des expertes, pardon, des réalisatrices. Euh, il y en avait 18%, on est maintenant à 34%, et on s'est engagé pour, euh, pour la fin de l'année aussi à avoir le, euh, sur le documentaire. Là, je parlais de la fiction oui. et du cinéma. Euh, sur le documentaire, à avoir la parité sur euh, les réalisatrices de, de documentaires. Voilà. Alors, Donc, je, voilà, moi, je suis pour les quotas. Euh, quand on compte, on peut suivre. Euh, ça fonctionne. Moi, ça fait des années que... Voilà, évidemment, j'ai un comex paritaire. Euh, voilà. C'est faisable, ça avance. Est-ce que c'est suffisant De mon point de vue, non. Je pense qu'on a encore oui. beaucoup de travail et, euh, et notamment dans le domaine sportif. Euh, je crois que... Je, je, je vais te juste... poser ta question. <laughs> si, si je ne pilote pas, je sens que ça déborde vite. Hein non, parce que je veux bien basculer sur le côté d'abord d'organisation et le côté social et, et finalement mettre en évidence à, à tous, parce que nous, tout le monde n'est pas, euh, pas fin connaisseur de l'organisation des médias et c'est ce qu'on se prend évidemment, c'est d'abord ce qu'on voit, mais mettre en évidence combien c'est important montrer que vous êtes des entreprises comme les autres et qu'en matière d'organisation, euh, de management, de, de vous, vous tenter, enfin vous, vous tentez, vous faites, vous faites avancer les choses justement aussi en matière même administrative, dans l'organisation de l'entreprise comme n'importe quelle entreprise. Alors, mais je fais, euh, merci Delphine de faire, de faire ce lien parce qu'il est important. Vous avez justement pris des engagements avec euh, Arthur Dreyfus aussi pour le groupe Altis, on va y revenir, sur un point qui, est, qui me semble extrêmement important, effectivement, c'est la rédaction des sports. Qui était quand même de la testostérone à l'état pur. Euh, on la voyait dans les. Et on va faire le lien, justement. C'est ça qui m'importe aussi. C'est de pouvoir montrer combien, quand ce sont des journalistes, quand ce sont des réalisatrices, quand ce sont des femmes qui euh, sont devant l'écran, elles mettent plus de femmes dans les contenus. Et c'est ça qui est important de, de, de faire ce lien. Donc, vous avez, Delphine, je reviens avec vous, et ensuite à Arthur, vous avez féminisé justement la règle des sports. Qu'en est-il Et justement, est-ce que vous avez le pourquoi cette nécessité de, de changer cette rédac des sports. rédaction des sports D'abord, on a eu des soucis à la rédaction des sports hein, il y a quelques années, euh, avec euh, des femmes qui se sont plaintes, à juste titre, de propos sexistes, euh, d'avoir été entravées dans leur carrière. parce que voilà. Donc, on avait un gros sujet. Hein, euh, je crois qu'il faut le dire, ça. Bien sûr. Euh, Très et et d'ailleurs, on a mis en place euh, au sein de France Télévisions un dispositif pour que ces choses-là sortent. Donc, ce n'est pas agréable quand ça sort, mais ça veut dire qu'on avance. Donc euh, ça nous a beaucoup secoué évidemment et donc suite à, à ça on a décidé d'avoir une attention particulière pour cette rédaction euh, et d'être capable de mettre des présentatrices, des commentatrices beaucoup plus à l'antenne qu'on ne le fait. Donc en effet on a signé, on n'est pas les seuls hein, la charte oui. pour, euh, pour plus de femmes journalistes sportives euh, dans, sur nos antennes. Titre d'exemple, c'est la première fois qu'on a une femme qui a commenté la finale de Roland-Garros. Euh, on, on est aussi très très investis depuis longtemps dans le sport féminin, parce qu'au fond, il y a une forme de continuité dans tout ça. Euh, cet été, par exemple, on aura une programmation sportive très dense, et complètement mixte. Donc Tour de France masculin, Tour de France féminin, les championnats du monde d'athlétisme oui, et de natation euh, bah, mixte. Euh, et, et on vient de signer, je regarde Nicolas. Euh, le, la une, la, une la mise, euh, pas une charte, on vient non. de signer le, la Coupe du monde de foot ah. féminin et euh, les matchs de l'équipe de France. Donc, avec M6, en, en totale euh, équité euh, avec, euh, avec, M, avec le groupe M6, et on est quand même très content. Euh, que cette grande compétition soit sur les antennes. Alors, elle sera tôt le matin parce que ça se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais, euh, mais, on va essayer. C'est un engagement qu'on prend euh, de faire monter en fait le foot féminin, euh, de lui donner toutes ces lettres de noblesse. Surtout, surtout, et c'est ça notre but ultime au fond, euh, pour faire en, en sorte que les petites filles euh, fassent du foot comme les petits garçons. Je raconte ça parce qu'on euh, a eu, euh, avec, avec des amis dont je reconnais certaines dans la salle, je vois Brigitte euh, Grézy, euh, Catherine Ladouce qui sont là, euh, on, on a eu l'occasion d'interviewer euh, une femme qui est absolument incroyable, qui s'appelle Nicolas Abar, qui est une ancienne joueuse de foot euh, professionnelle, et qui raconte que la maîtrise de, de, du corps dans l'espace... Euh, c'est important pour acquérir l'égalité. Elle dit notamment les petites filles, il faut leur mettre des baskets et des joggings, arrêter les robes et euh, inciter les à courir et courir sur un terrain de foot. Je reviens au foot, d'où l'importance de le mettre à l'antenne. Eh bien, ça fait qu'on s'approprie l'espace quand on est une petite fille. On n'est pas contonné avec, comme dans les cours de récré où les garçons jouent au basket ou au foot et les petites filles sont dans les pourtours de la, de la cour. On s'approprie tout l'espace. Et voilà. Ça, c'est une manière assez concrète, simple, compréhensible de, 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 de travailler sur l'égalité des petites filles et des petits garçons. Donc d'où l'importance pour nous, en tant que diffuseurs publics notamment, de mettre le foot féminin à l'honneur. Voilà. Bah, bravo à vous deux, bravo au groupe M6 et aux France Télévisions. Arthur Dreyfus, vous êtes patron du groupe Altis France, Altis Média et notamment de la station RMC Sport. Vous aussi, vous avez pris des engagements qui sont vraiment notables et moi j'aimerais bien que vous nous les expliquiez aussi. Oui, en effet, RMC, c'est une radio très masculine, historiquement masculine, faite de, de débats le matin, de sport et de débats sur le sport, en particulier sur le foot l'après-midi. Il y a cinq ans, la rédaction sport d'RMC, c'est 86% d'hommes. Donc, c'est évidemment une situation qu'on a voulu faire évoluer avec, comme le disait Delphine, une ambiance de vestiaire. Et donc, avec tout ce qu'il y a d'ambiance de, de, sportive et tous les, les aspects néfastes que peuvent connaître ces atmosphères-là. Donc on a pris un certain nombre d'engagements, on a pris un certain nombre de mesures, d'initiatives, et on, a, on est allé jusqu'à signer une charte il y a quelques semaines maintenant pour favoriser le recrutement de femmes. Les, le pourcentage évolue pas assez fortement. On doit être à deux tiers, un tiers aujourd'hui. L'objectif est d'arriver progressivement à 50-50, évidemment. Et tout ça, ça passe par des symboles. La Ligue des Champions sera présentée l'année prochaine par Sonia Carneiro sur RMC Sport. Elle n'est pas que sur Canal, elle aussi sur Canal, mais elle est, elle est aussi sur RMC Sport, présentée par Sonia Carneiro l'année prochaine. Et sur RMC, on a permis d'avoir la seule matinale de France présentée exclusivement par une femme, avec Apolline de Malherbe. On a la la directrice des productions, de l'ensemble des productions, et qui, a, qui est une femme depuis trois ans maintenant. La, celle qui est en charge des productions sportives est aussi une femme depuis deux ans maintenant. C'est un certain nombre de symboles, de symboles vis-à-vis -vis de l'interne, de symboles vis-à-vis -vis de l'interne, de l'externe aussi. Et c'est important sur, c'est une chose de signer des chartes, c'est une chose de s'insatisfaire d'une situation imparfaite, mais il faut mobiliser toute la chaîne il faut mobiliser les écoles de journalisme, il faut mobiliser les écoles de formation parce que quand vous recevez sur 100 CV 95 CV de garçons pour intégrer un service foot, ou un service rugby ou un service basket, évidemment c'est compliqué de prendre des femmes. Donc il faut mobiliser toute la chaîne pour que année après année, saison après saison, la situation la situation s'améliore. Merci beaucoup. Vous avez aussi mené des actions je coûte un je, je déris un tout petit peu sur le, le foot, mais bon, on y reviendra avec Nicolas Taverneau et, et, et Maxime Saada tout de suite. Vous avez aussi mené une campagne assez forte en région. Je pense que c'est important de la souligner avec les BFM. Absolument. On est engagé depuis quelques années sur les BFM région pour une alternative à France Télévisions avec les chaînes, des chaînes locales. Donc on a une dizaine de chaînes locales on a plus de 200, de 200 journalistes en région et la, la rédaction est dirigée par Une femme, il y a 50% des chefs de bureau qui sont, qui sont des femmes, 50% des présentateurs sont des femmes. C'est un peu le laboratoire modèle, c'est la, le dernier projet que nous avons lancé, et donc c'est là où nous pouvons être le plus exemplaire. Et c'est effectivement cette exemplarité locale essaye d'avoir un effet de contagion sur, sur le national. Donc est, on, est, on est très fiers de ces, de ces chaînes locales et on a encore. Beaucoup de chemin à, à faire pour être aussi exemplaire que le service public. Tout à fait. Je, reste, je reviens au, au, au foot. Nicolas Taverneau, euh, Maxime, Nicolas, Maxime Sada, euh, Nicolas Taverneau, est-ce que vous n'êtes pas le premier à avoir misé sur le foot féminin gratuit Non. Et je dis tout de suite diffuser... non. Avant qu'ils disent oui, je dis non. Hein. <laughs> Alors, Direct 8. Gratuit. Direct 8. Direct 8. Gra Rodolphe peut témoigner, directement, ah, premier parti. diffuseur. <laughs> ah, je suis Nicolas avec Taverneau. <laughs> L'un des premiers non, sur W9. On peut non, reconnaître. Je voulais faire un peu rougir Nathalie parce que euh ces questions de parité, Nathalie les a traitées au CSA, mais les a traitées avec beaucoup d'énergie et toujours le sourire. C'est-à-dire qu'elle ne nous a jamais agressé, a toujours essayé de faire progresser les choses. Et je pense que c'est une très bonne méthode à suivre pour l'ARCOM, parce que c'est une méthode efficace. Merci Nathalie. Merci. Le, euh, la... la deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, la parité, c'est d'abord notre intérêt. Euh, et je pense que c'est la meilleure garantie qu'elle avance. Notre intérêt parce que notre public est majoritairement féminin. Nous sommes d'ailleurs, nous, le groupe qui avons l'audience, la proportion d'audience la plus féminine dans les différentes audiences. Et, et la, la parité parce que pour nos entreprises, c'est nécessaire. Alors, euh, co comment fait-on avant d'aborder la, la, la réponse sur le foot féminin euh, premièrement, euh, je rappelle que nous avons créé notamment une chaîne euh, à l'époque du CapSat qui fonctionne très bien aujourd'hui à destination des femmes, qui s'appelle Teva, qui est une chaîne euh, intéressante, qui nous permet de tester des concepts notamment un peu plus novateurs hein, dans, le, dans, dans ce domaine-là. La deuxième chose, je ne rentrerai pas sur euh, ce que nous faisons euh, euh, sur les experts et présentations, etc., mais vous, le, vous les voyez sur nos antennes et surtout sur les sujets de fond euh, qui sont traités dans nos magazines euh, comme Zone, etc. Alors comment progresser en, en interne et en externe En interne, la progression viendra du recrutement de départ. C'est-à-dire, euh, euh, on peut aller recruter euh, des gens dans le comité exécutif directement, etc. Mais c'est vraiment, on a une attention particulière. On a fait par exemple un comex aux jeunes oui. qui sont... Euh, les futurs, euh, euh, disons, managers du groupe. Et là, on fait attention qu'il y ait une majorité féminine parce qu'on a besoin d'un coup de pouce pour faire avancer euh, cette progression. Et ça fonctionne. Nous avons d'ailleurs, nous, un... un euh, un, un personnel équilibré exactement oui. entre les hommes et les femmes et euh, on a encore quelques efforts à faire sur la, les, les dirigeants, si vous voyez ce que je veux dire. Le, le, et donc, on, on, on va pousser dans ce domaine-là, mais le recrutement, notamment dans le digital, c'est pour ça que euh, c'est très important, comme le disait Rodolphe, que nous ayons des recrutements dès maintenant dans le digital, parce que ce sont des métiers qui sont un peu plus durs à pourvoir, il y a un peu moins de, de, euh, de candidates euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Alors, sur le sport et le foot féminin, euh, D8, je n'avais pas remarqué, mais euh, sans <laughs> doute, euh, le, 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 mais depuis la reprise par canal, ça, ça, ça se voit plus. Euh, le, non, depuis 2013, nous oui. faisons du, du, du foot féminin, nous avons commencé avec l'Euro, nous avons fait la Coupe du Monde en 2015, euh, ça a bien fonctionné, puis ensuite, et très, nous avons très a, 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 a accompagné l'équipe de France pendant tout ce temps-là, y compris dans les, dans les périodes où l'équipe de France féminine avait, vivait euh, des moments difficiles, et nous faisions à peu près euh, un sujet tous les 15 jours dans nos journaux télévisés pour supporter euh, le football féminin. Euh, et aujourd'hui, on est très heureux de, de le partager avec euh, avec le service public et Delphine, euh, dans lequel on a trouvé un accord pour que euh, l'ensemble des, des Français. Évidemment, la FIFA nous avait pas tellement aidés euh, par la localisation, euh, par euh, euh, la, la période, etc. C'était d'ailleurs pour faire de la place aux hommes hein, que la FIFA avait choisi cette date. Donc. Euh, il est évident qu'on n'était pas de très bonne humeur dans ce domaine-là, mais en chacun faisant des efforts, donc vous aurez sur toutes nos antennes une très belle Coupe du Monde féminine avec Génial. des matchs à 10 h et des matchs à midi, et on espère que l'équipe de France fera un beau parcours. Et ensuite, nous nous sommes répartis les matchs amicaux, les matchs qualificatifs pendant quatre ans sur la durée. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer, qu'on va poursuivre, et de toute façon, c'est un succès parce que l'audience du foot féminin monte. Donc euh, euh, j'espère. Et quand je vous disais que c'est notre intérêt, ce n'est pas encore en proportion des prix du masculin. Rodolphe, il est très riche, alors il peut se payer des compétitions <laughs> extrêmement fortes. Mais nous, on a fait des économies sur les hommes pour les réaffecter aux femmes, justement. Et on vous en remercie. Maxime Sada, vous venez de racheter les, les droits de l'AD1, me semble-t-il. Allez, dites-nous ce que le groupe Canal fait en, en clair. Mais beaucoup euh, sur votre espace payant et c'est fantastique. Je parle du sport ou je peux commencer par le, le cinéma Allez. On pas juste le cinéma, c'est important parce qu'évidemment on a une responsabilité en tant que média très particulière et notamment Canal Plus compte tenu de ce qu'on fait sur le cinéma. L'idée pour nous c'est de faire porter des projets par des femmes et qu'on entende leur voix. Donc comme tu le disais tout à l'heure, qu'elles soient derrière la caméra. On, on y reviendra sur ce point-là après. D'accord. Tu le veux sport. que je parle de sport le, sport le sport, pardon. Alors le sport, on a d'abord toujours eu des incarnations féminines sur toutes oui. nos principales émissions. Euh, le, le Champions Club, donc le, la Ligue des Champions, qui est le, le, la compétition Rennes sur Canal, est présentée évidemment par leur boulot. Le rugby par Isabelle et, et bientôt par Astrid Barr. Euh, Astrid Barr, qui était sur le CRC, nos trois principales émissions portées par des, par des incarnations féminines. Donc, ça, on a toujours veillé à ça et on y veillera toujours. Le volume, c'est important, mais le rôle, de mon point de vue, est, est, est essentiel. Je reviendrai au volume après. Euh, on est effectivement sur les compétitions sportives, on on, au-delà du foot. On a toujours fait attention à donner une, une exposition aux, aux compétitions sportives avec, avec des femmes, que ce soit le rugby, le rugby à 7, le golf avec le tournoi des Viands, le padel, le MMA. À chaque fois qu'on signe un droit, maintenant, on prend la composante féminine et on l'expose. On l'expose, c'est important. La D1, on était déjà engagé dans la D1. Euh, on avait un sujet qui était les moyens qui étaient alloués à cette compétition qui étaient insuffisants. À part Jean-Michel Aulas, je pense que tout le sport féminin, le foot féminin en particulier, peut remercier. Et Paris, il n'y avait quasiment pas d'investissement et on se retrouvait nous diffuseurs à être en situation de difficulté pour même parfois poser des caméras. Euh, et, et, et les conditions dans lesquelles les matchs étaient transmis étaient insuffisantes. Avec le changement de gouvernance euh, de la fédération et Philippe Diallo en particulier et l'implication du, du ministère des Sports, on a réussi à mobiliser des moyens, des moyens de production, des moyens de médias et surtout que euh, on a mis en place une mécanique. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qu'on a signé avec euh, la fédération. C'est un contrat long. Euh, et on est dans une logique de co-construction, de reconstruction de ce sport, c'est-à-dire avec des investissements de part et d'autre et une part variable que nous verserons en complément à la fédération en fonction de leur atteinte de, 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 de paliers okay. euh, et d'investissements, que ce soit encore une fois en, en termes de production d'équipement, d'investissements dans la filière. Je vais revenir parce qu'en fait la clé c'est quand même d'investir dans la filière. Voilà, le, Juste après. C'est l'amont, enfin, l'aval des chiffres et l'amont de la filière. Euh, et c'est pour ça qu'on a renouvelé euh, jusqu'en 2029. Merci beaucoup. et J'y viens tout de suite justement parce que si un contenu euh, finalement, euh, et on continue euh, notre exploration des, des engagements sociétaux des médias, et j'y reviens encore, vous avez des engagements sociaux mais également des engagements sociétaux que vous prenez. Euh, J'ai relevé justement les propos de, de la journaliste réalisatrice Alexandra Jousset qui a reçu le prix Casenia euh, de Bolshovaka, euh, prix euh, Bollo. Bon, je suis désolée, je n'ai pas mis mes lunettes. Bolchakova, pardon, mais je voudrais le dire bien parce que c'est important. Donc, Kassenia Bolchakova, qui est le prix Albert Londres pour son reportage sur le groupe Wagner, nous dit, donc le prix Albert Londres audiovisuel, pour ce reportage, elle nous dit le fait de poser des questions aux autres femmes a pour conséquence de les faire exister dans la sphère publique. Là, je pense que ce sont des propos qui, effectivement, rejoignent Maxime. On y reviendra à l'instant sur ce que tu disais. Elle rejoint pour ça les propos également de la réalisatrice et productrice Andrea Rollins-Gaston qui nous dit ⁇ On a réussi à rendre l'intime public ⁇ Elle faisait notamment référence euh, aux, aux violences qui étaient faites aux femmes et qui étaient traitées. Que dans des sujets faits divers et dont aujourd'hui on expose et dont on place, on expose, le terme n'est pas joli, mais en attendant, qui sont aujourd'hui sur la place politique. Et ça, c'est le rôle des médias que d'autres entreprises, des entreprises classiques, ne peuvent pas mener. Justement, Maxime, je reviens sur Maxime Salada, je reviens avec Mariam Salehi aussi par après. Maxime Sadam, moi ça m'a beaucoup impressionné. Ça a été euh, le, la directrice du, du studio Canal qui, justement, Anna Marche, qui a lancé un fonds, et c'est sur ce point-là de, de contenu que je voulais D'accord, vous l'évoquer. Là, c'est, je suis autorisée. Voilà merci, exactement. Nathalie. Donc on a toujours prêté attention aux films financés par Canal. Hein, on finance entre 120 et 150 films par an. Euh, en 2021, il y avait 21% des, des films financés par Canal qui étaient réalisés par des femmes. Euh, en 2022, c'était 26%. Et sur la première partie de l'année, la 23, c'est 36%. Et quand on regarde les premiers et les deuxièmes films auxquels on porte une attention particulière, pour les premiers films, c'est 40%. Pour les deuxièmes films, c'est 43% des deuxièmes films financés par canal, réalisés par des femmes. Donc porter la voix des femmes, c'est important. J'insiste sur un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est que ce ce, l'idée, c'est de porter des sujets qui concernent les femmes, y compris quand ils ne sont pas portés par des femmes. La nuit du 12. Il a gagné, comme vous le savez, le César, qui est un oui. film, je trouve, magnifique, n'a pas trouvé de financeur parce qu'il était réalisé par un homme. D'accord oui. Canal, seul pré-acheteur, seul pré de ce film. Voilà. Pour nous, le sujet important, c'est évidemment que les femmes soient dans la caméra, mais que les, les, les sujets soient aussi portés à l'attention, y compris quand ils le sont par des hommes. Oui. Je voudrais dire ça parce que parfois, on, on minimise ce, ce sujet-là. Euh, donc, on peut se satisfaire de tout un tas de trucs que Canal fait. Une fois qu'on est lucide. Euh, on a aussi, pardon, un truc qui est important pour moi, c'est qu'on a capté euh, Sylvie Testu, sur tout le monde savait, qu'on va pro prochainement diffuser sur Canal. On diffuse très, très peu de théâtre sur Canal. Là, on va le faire parce qu'on a trouvé que la pièce le méritait. Elle a gagné de Molière. Euh, c'est une pièce absolument magnifique que je vous encourage à voir. Au-delà de ça, euh, quand on commence à regarder sérieusement ce qu'on a fait, on a mis beaucoup d'indicateurs parce qu'on parlait des chiffres tout à l'heure, c'est essentiel. Et moi, ce n'est vraiment pas mon genre, mais sur les quotas, je suis totalement en ligne avec Delphine, c'est nécessaire non seulement c'est nécessaire pour monitorer, mais dès qu'on arrête de monitorer ce qui m'est arrivé, j'ai tourné la tête pendant 10 minutes, euh, les chiffres baissent parce que toutes les mécaniques... Euh, Une attention euh, permanente. Exactement, attention oui. permanente. Donc c'est nécessaire. Euh, sur, sur les créations originales de Canal, on a mis en place plusieurs indicateurs, mais un qui s'appelle GEM, Gender Equality Monitoring, qu'on a mis en place avec Lina, euh, et qui regarde, un, la présence des femmes à, à l'antenne, entre guillemets, euh, et deux, le, le temps de parole qu'elle aura accordé et là c'est vraiment très très, très intéressant on, sur la dernière année on a 42% de, de présence à l'antenne pas mal 32% de temps de parole, ça c'est quand même fascinant c'est à dire que 10 points de moins de temps de parole autorisé aux femmes qui sont à l'antenne voilà. et ces, ces indicateurs là en fait ils, ils changent complètement la façon dont on fait les créations, on a réécrit totalement un scénario récent d'une série parce qu'on avait fait le test de BGL. et c'était une catastrophe euh, pour, je, le test de Bechdel, je ne pas rentrer que dedans, que... mais si tu veux que j'explique. Je, en, en gros, c'est quand, quand les femmes parlent, de quoi parlent-elles Et en fait, on, on se oui. rend compte que Bechdel met en avant que souvent, quand elle parle, elle parle des hommes. Et elle parle notamment des, des rôles masculins dans les séries. Donc en fait, ça revient à leur faire parler euh, des hommes. Donc quand les hommes sont par l'antenne, les femmes en parlent, si je résume. <laughs> euh, et, et voilà. Oui. Et on se retrouve oui. avec des taux calamiteux et donc qui nous imposent de, de revoir. Euh, de revoir. Voilà. Quand on regarde les projets Studio Canal, donc j'y viens, les projets industriels, la filière, euh, on, a, on a reçu 428 projets l'année dernière. Ça, c'est les projets qui ont été envoyés à Studio Canal pour euh, des films. Il y en a 12% seulement qui étaient portés par des femmes. 50, 51 exactement, qui étaient portés par des femmes. Donc ça ne suffit pas de porter des réalisatrices via Canal, il faut que Studio Canal s'implique. Et on, donc on est dans une logique de filière. Voilà. Et donc pour faire ça, on s'est rendu compte que les femmes, et ça rebondit sur ce que disait Pierre et moi je suis totalement en phase avec ça, que souvent les femmes s'auto-limitent entre guillemets. Il y a des sujets de confiance, il y a tout un tas de, de sujets. On a mis en place un fonds spécifique de développement de projets par les femmes, autrices, réalisatrices. Euh, voilà, on, on a consacré un million d'euros à ça et c'est la première année. C'est vraiment, c'est pas un million euh, bidon entre guillemets, c'est un million spécifique dédié à ça. Euh, et on a vocation à développer 10 projets, on a l'ambition de développer 10 projets d'ici euh, dans les 12 prochains mois. Donc, travail sur toute la filière Voilà. Et, et c'est possible, parce qu'on dit que c'est impossible. Ouais. On a un film en ce moment euh, qu'on a, qu a finalisé qui est euh, l'adaptation de la vie, le biopic de Amy Winehouse, euh, qui s'appelle Back to Black, oui. qui, est, qui est un film qu'on a, qu a, qu a tourné en Angleterre. On a 100% des postes de ce film qui sont pilotés par des femmes. 100% de production. Réalisation, évidemment, scénario, tous les postes techniques sont dirigés par des femmes. On dit souvent c'est impossible, etc. C'est possible, c'est juste une question d'effort. De, très bien, merci, merci beaucoup. Mariam Saleh, je rebondis sur, euh, sur l'émission qui, qui, qui m'a marquée, que vous qualifiez même d'unique au monde. Être une femme, vous nous racontez plus sur, justement, on prend une émission, on prend un éclairage, une illustration. Comment elle a été créée Pourquoi Et depuis très longtemps Merci beaucoup Nathalie. D'abord, tu nous as fait l'honneur euh, d'avoir oui, accepté bon. d'être interviewée <laughs> sur cette émission. Non, mais je, je te remercie. Euh, juste, euh, pour rapidement pour le groupe Énergie. Alors, dans le groupe Énergie, donc euh, c'est à la fois groupe de radio et de télévision. Je voudrais signaler qu'on a quand même deux médias qui sont dédiés aux femmes, en radio Chérie FM et euh, télévision Chérie 25, Chérie 25 sur lesquels à peu près 80 de femmes interviennent et 100 d'expertes. Donc, euh, je tenais à souligner quand même cette, euh, ces, ces indicateurs. C'est très bons chiffres. Puisque ce sont là où on donne véritablement la parole aux femmes. Et on a une émission qui est d'ailleurs programmée soit en access, soit en première partie de soirée, qui s'appelle Être une femme, les grands entretiens. Et donc l'idée est de prendre des parcours de femmes, des portraits très divers, très inspirants. Ça peut être des euh, sportives, ça peut être des personnes qui ont une forme de, de handicap, des présidentes d'associations, euh, des, euh, des dirigeantes pas assez de CAC 40, mais euh, on, on, on imagine que cet indicateur va progresser. Et donc l'idée, c'est véritablement un moment assez intime où elles décrivent leur personnalité, leur parcours, et euh, pour voir servir, pourquoi pas, de rôle modèle et de parcours assez inspirant euh, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc euh, je vous invite toutes et tous à regarder cette très très belle émission qui est Être une femme, les grands entretiens, et qui est sur Chérie 25. Alors merci, merci beaucoup. Je continue sur les... Sur les contenus, c évidemment essentiel, et c'est la spécificité de, de vos entreprises, à la fois Delphine Ernotte et, et euh, Rodolphe bellmer, en matière de fabrique de programmes, Delphine Ernotte, là encore hein, sur, sur du long terme, comment ça évolue Comment vous allez chercher Est-ce qu'il y a encore du quanti Et c'est du nécessaire, comme le disait euh, Maxime Sada à l'instant. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a encore des quotas. D'ailleurs, on, on, on en a mis sur les réalisatrices. On voudrait aussi. Euh, euh, aller plus loin sur les fonctions créatives, donc les producteurs, productrices, euh, scénaristes aussi, euh, de manière à ce que ça soit beaucoup plus mixte, parce que ce sont des professions qui sont pas du tout, euh, enfin, qui partent de très très loin en fait. Euh, C'est possible, ça progresse assez vite en fait quand on quand on le dit, et ça donne un, un appel d'air. Après, si je prends le cas des documentaires, puisque là on vise 50 on se rend compte quand même qu'il y a une forme de répartition des documentaires en fonction du genre de documentaire. Il y a moins de femmes. Dans les documentaires scientifiques, euh, que d'hommes, beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc il faut aussi qu'on fasse attention à ce que tout ça respire et qu'il y ait une forme. Alors est-ce qu'on sera à 50-50, je ne sais pas, mais enfin, qu'il n'y ait pas des genres cantonnés aux femmes et des genres cantonnés aux hommes. Voilà, oui. que ça respire dans tous les sens, qu'en effet des hommes puissent faire des documentaires sur des sujets dits traditionnellement féminins. Euh, et que des femmes puissent faire des sujets sur, sur, des, choses, sur des sciences dures qui sont encore vues aujourd'hui par, par tout le monde, comme des, comme des, en tout cas qui sont occupées aujourd'hui par, par des hommes. Donc, Donc une, une attention particulière ouais, portée aussi a... sur les genres. Ça, c'est un point important des genres de programmes. À l'intérieur même, dans les genres de programmes, oui, je pense qu'il faut, qu faut faire attention. Euh, ensuite, euh, moi, je voudrais faire un petit dégagement sur. Euh... peut pardon. pardon. Ah, je je, je que dans, parce que dans, vous vouliez pas passer films, moi, juste, Je rebondis là-dessus parce que pour Studio Canal, le point principal d'Anna, c'est qu'il y a aucun film d'aventure, d'action, euh, thriller voilà. euh, porté par les femmes et elle veut ou des, ou des films d'horreur, par exemple des films de genre qui cartonnent et donc elle veut une attention particulière là-dessus. Ça, c'est un point voilà, important. Oui, on, on a ouais. remarqué la même chose avec Maxime, et on travaille dans ce sens pour que, voilà, tout ça respire en fait. On a besoin de respiration. Comme quoi, il faut aller loin. C'est toute la filière de production, de, de l'amont à l'aval jusqu'à la, diff donc la, la diffusion. Mais dans la fabrique, surtout, vous allez très loin. Oui, dans, dans la, dans la, oui c'est ça. On va très loin. Après, plus on réduit l'échelle sur laquelle on applique un quota, plus on est injuste. Donc il faut faire attention, et, en fait. Évidemment. Hein, et, euh, voilà. Mais comme euh, dans le cinéma, comme dans l'audiovisuel, en fait, c'est un métier d'artisanat et d'artisan. Complètement. Et qu'on choisit les projets, projet par projet. Euh, rien n'est mécanique dans tout ça. On a quand même, euh, si on est, euh, comme, comme Maxime le dit, très investi de ce souci d'équilibre, euh, énormément capable de faire changer les choses. Voilà. Et je pense que c'est important. Nous, dans le cinéma, euh, nous, on finance 60 films, euh, 60 films par an. Euh, on fait évidemment attention au premier film, au deuxième film, euh, à la diversité et à la, et à la mixité. Et on est très content euh, d'avoir euh, cofinancé la, la Palme d'Or cette année. De Justine Trier, qui est une très grande réalisatrice qu'on suit depuis très très longtemps. Donc c'est son quatrième film, hein. ce n'est pas son deuxième ni son premier. Mais, euh, mais voilà, donc c'est quand même un, un beau signal pour le Festival de Cannes qui n'a pas souvent récompensé des femmes. Je crois que c'est la troisième mmh. euh, femme réalisatrice récompensée en, en plus de 70 ans d'existence. Donc c'est formidable. Formidable. Donc médias, acteurs de la transformation. Rodolphe Belmer, groupe TF1 en matière de contenu. Vous, vous, vous également, des rôles modèles hein. Je crois qu'on a à peu près la même approche que nos, euh, que nos collègues, c'est-à-dire que nous aussi, on s'inscrit dans une logique de, de filière. Euh, comme ça a été dit, les métiers de la création, c'est des métiers de talent, bien sûr, mais c'est aussi des métiers d'artisanat et des métiers d'expérience. L'expérience, ça ne se décrète pas en cinq minutes. Et donc, il est important d'avoir un horizon que l'on se fixe et d'avoir un chemin pour, pour arriver à cet horizon. La façon qu'on a de, de gérer cela dans le groupe, c'est que... On intègre dans toutes nos relations avec l'écosystème qui nous entoure, et en particulier dans les contrats de production qu'on signe avec les producteurs qui nous apportent soit des films de cinéma, on en fait une cinquantaine par an, soit nos fictions audiovisuelles, on en fait beaucoup plus. On, on, on a une clause qui engage les producteurs euh, à, une, à, à des efforts en matière de, de, de diversité. Et là, donc, on. On diffère un tout petit peu de nos collègues parce qu'on ne fixe pas de quota stricto sensu. On leur demande de viser un horizon de 50% de euh, talents féminins dans les équipes de, euh, de production de manière à pouvoir accompagner, stimuler le développement euh, de, de, la, de, de la profession et sa féminisation. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche assez bien même si c'est plutôt de l'ordre de l'incitation, de l'encouragement, de fixer un horizon plutôt qu'un ordre du, euh, du directif et du quota. Puisqu'on, quand on regarde aujourd'hui nos productions audiovisuelles, on voit que 50% des, des productions sont pilotées, donc sont produites par des femmes. Euh, 50% de nos scénaristes sont des femmes. Alors, on n'en est pas encore là sur les, les réalisatrices, on progresse oui. euh, assez vite. On n'est pas encore complètement là, mais ce qu'on voit, c'est que l'incitation, fixer un horizon, fixer euh, un cap et laisser au temps, le temps de, euh, à, à des, euh, au marché de s'adapter en formant au niveau de compétences requis les talents dont on a besoin. Enfin, nous, en tout cas, c'est l'approche dont on pense qu'elle est, euh, qu est, qu est, qu est très bonne et ça nous permet de faire émerger des... Euh, des, des, des femmes de grands talents comme euh, Fanny euh, Riedberger, par exemple, qui a produit, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les Randonneuses et ah Toulouse-Lautrec, oui. oui. qui sont deux programmes absolument phénoménaux, très inclusifs, qui portent un message très fort vis-à-vis euh, de, euh, euh, -vis de la société française. Et oui. puis Alexandra Jousset, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une des grandes réalisatrices de documentaires, qui est dans notre groupe, puisqu'elle elle travaille euh, au sein de new End est un des pôles dans lequel on développe ce genre d'approche euh, et donc des producteurs euh, de talents qui sont euh, euh, en bonne partie féminins. Donc, idée d'incitation. Merci beaucoup. Nicolas Taverne, vous voulez rebondir sur ce point, c'est important pour le groupe M6. Peut-être avec un micro. Merci. Dans les sociétés de production... Euh... Il y a une majorité masculine hein, en termes de, de direction. Nous nous avons confié notre société de production studio 89 à une femme. Et euh, ce n'est pas, pas indifférent que ce soit une femme si vous voyez des Hélène Darroze dans Top Chef, si vous voyez un certain nombre d'experts, si vous voyez. Euh, et de temps en temps, il faut prendre des initiatives un peu iconoclastes. C'était quand même pas évident de mettre Karine Marchand chez les agriculteurs. Bon, oui. C'est vraiment la star de l'agriculteur aujourd'hui. Elle a été très critiquée par les hommes lorsqu'elle était interviewée du personnel politique. Euh, à l'occasion des présidentielles, et je pense qu'on a fait sortir quand même, on a montré que les femmes pouvaient aussi interviewer de manière efficace et de manière différente euh, parfois les hommes politiques en leur faisant dire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire. C'était ambition intime. Et donc ce genre d'initiative euh, est très importante pour nous. Et lorsque, parfois en prenant des risques, lorsque Ophélie Meunier, qui a été très bien formée chez Canal d'ailleurs, euh, est, est arrivée chez nous, euh, elle a eu le courage d'aller montrer un certain nombre de, de, de choses. Désagréables qui se passaient dans le nord de la France sur, euh, dans, dans, oui. dans, dans des communautés, en prenant des risques, en étant gardés, etc. Donc ce genre d'initiative, c'est-à-dire en donnant de la responsabilité de production à des femmes, font que, de manière assez naturelle, et pas forcément avec des quotas, de manière assez naturelle, elles vont donner la parole à des femmes intelligentes, expertes, euh, qui viennent euh, et qui font le succès de nos émissions, il faut bien dire ce qui est. Merci beaucoup, Arthur Dreyfus, vous également, hein, vous vous accentuez en matière de, de contenu. J'ai vu que vous avez les, les reines de la mécanique. On sort un peu, justement. On essaye de faire un, un petit pas de décalage ou un petit pas de côté Oui, on, on, on essaye. Ensuite, on ne va pas se raconter quand même d'histoire. Quand on fait des émissions moteurs, le public, il est à trois quarts un public masculin. Donc, on fait les reines de la mécanique. Ça marche moins bien que les rois de la mécanique. Donc, c'est comme la Coupe du monde de foot féminin. C'est formidable, mais ça marchera pour l'instant moins bien que la Coupe du monde de foot masculine. Donc... On fait tous des efforts et à nous entendre, on est assez, on est collectivement irréprochable. Euh, on sait tous que la situation. Collectivement engagé. On est tout, voilà. C'est qu'on sait tous que la situation, elle est imparfaite et c'est euh, à force d'initiatives euh, et les uns et les autres euh, n'en man manquons pas. C'est à force d'initiatives qu'on fera évoluer. Donc oui, aux quotas sur les recrutements, oui au quota sur les postes à responsabilité, oui au quota sur aussi les euh, productions. Et les choix, de, les choix de thématiques, parce qu'il n'y a qu'en s'obligeant qu'on fera euh, avancer. Ensuite, on ne va pas transformer les goûts, on ne va pas transformer les passions, on ne va pas transformer les, 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 les habitudes, mais on, on doit s'adapter à une euh, réalité nouvelle, à une réalité euh, attendue, et c'est à force euh, d'initiatives sur toute la chaîne que, que nous y arriverons. Donc, euh, je crois que c'est assez notable d'entendre les. Une et les autres ce, ce, ce matin. Moi, je suis peut-être le, le plus vierge de, de l'équipe de, de ici et, de, et la réalité de la télé ou de la radio en 2023 ressemble quand même beaucoup plus à la société que la télé oui. ou la radio d'il y a si ce n'est dix ans. Donc les efforts de ces dix dernières années, emmenés par l'ensemble des patrons des médias autour de, 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 cette, de, de, ce, de cette table ronde, sont extrêmement efficaces parce que... Les, les, progrès, les progrès sont très vite perceptibles. Mmh. Et donc, euh, il reste encore des efforts à faire, mais euh, le chemin est très impressionnant. Alors, en matière d'efforts encore à faire, il y a eu le, le, le baromètre de la diversité, justement, de, de l'ARCOM, qui nous dit pas, effectivement, Arthur Dressieux, vous avez l'honnêteté de, de le souligner, qui ne dit pas qu'on est, ou que vous êtes, en tout cas à 50-50, on est encore loin. Mais là où on est encore plus loin, euh, c'est euh, l'étude qui a également été menée par, par l'ARCOM, mais côté publicité. Alors moi ça vraiment ça m'a étonné où la publicité où les stéréotypes de genre sont encore extrêmement présents et la place de la femme dans les publicités sont encore plus dans des, euh, dans des lessives ou dans des produits de luxe que justement dans l'automobile donc on voit que l'ensemble en fait de l'image doit appréhender et je reprends ce que disait Maxime Saada c'est toute la filière qui doit être regardée attentivement et dans laquelle on peut entrer. Je crois que la filière de la publicité, elle aussi, elle fait des efforts. J'aime pas tellement ce terme, parce que faire des efforts, ça veut dire que c'est obligé. Mais en tout cas, sans qu'elle ait une responsabilité à mettre en place, on est quand même encore loin en matière de publicité. Mais peut-être que vous tous euh, qui vous tournez vers. Euh, qui avez besoin de ressources et de revenus publicitaires, est-ce que vous portez, petite question comme ça, à la finalement à l'attention, vous portez une attention particulière en matière de publicité qui sera diffusée sur vos écrans ou carrément en matière de responsabilité en se disant bah, tel ou tel annonceur n'est pas suffisamment regardant. C'est difficile, c'est pas du tout pour pointer le doigt, mais c'est important de l'avoir en tête. Est-ce qu'en tout cas, vous y pensez Est-ce que c'est dans, est -ce est dans le pipeline ou est-ce que c'est dans vos logiciels ou pas du tout Encore. ça va venir. Alors, oui, bah, évidemment, Delphine. C'est votre... Non, euh, ce tribunal. que je voudrais dire sur cette question-là, c'est que euh, on dit toujours, il faut que les médias euh, je rebondis sur ce que disait assez justement Arthur, représentent mieux la société. Bah, heureusement qu'on ne fait pas que représenter la société, hein, parce que la vraie société, elle n'est pas mixte, elle n'est pas paritaire et elle ne fait pas la place aux femmes comme aux hommes. Donc en fait, on se doit évidemment d'aller bien au-delà et d'essayer de, 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 de définir un futur euh, paritaire désirable. Exactement. Voilà. Mais c'est beaucoup de nous demander que de demander de faire évoluer Peugeot, euh, Total. Euh, voilà, je pense non. que chacun aussi doit faire son taf à sa voilà. place. Sans vous demander je... de faire évoluer, mais... c'est d'être sensible à ce qui se passe ouais. à vos côtés parce que c'est l'équilibre financier. Et peut-être met... que le service public n'est pas le mieux placé en l'occurrence. Non, ce que je veux juste dire, dire c'est que ce que je veux juste dire, c'est que euh, on... c'est normal qu'on soit aux avant-postes et voilà. c'est notre boulot oui. de définir vous un monde raison. qui, on va se, va se mentir. N'existe pas Exactement. et qui est désirable, mais je pense que ça doit aussi entraîner un mouvement plus large. Donc ça va dans ton sens, en fait Nathalie. Complètement. Hein complètement. Ça doit entraîner un, un mouvement plus large, mais tout seul. On, on reparle beaucoup, hein, parce qu'on reparle de l'imaginaire, la projection, etc. Donc dire, ce qu'on fait est très très important, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est oui. ça que je veux dire. Ouais. Mais c'est ensemble, mais j'entends le message et c'est vrai que c'est important. Pierre Louette, oui, d'où je... les assises de la parité et euh... d'où euh, votre présence ici, et je vous en remercie aussi. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Non, mais je pense qu'on oui. a un rôle dans ce champ-là vraiment très clair pour tout ce qui est ESG environnement. Il y, a, il y a vraiment un, un, un dialogue. Et de toute façon, on va dire qu'il y a quand même de moins en moins d'annonceurs qui vont spontanément venir faire... En plus, il y a beaucoup de régul... réglementations qui ont été mises en place. Enfin, bon, beaucoup de mentions légales. Ouais. Moi, je voulais juste... Euh, D'abord, j'aurais voulu céder la parole à France Média Monde parce qu'elle n'a elle a, elle a oui. rien dit. Mais, mais, mais je ne vous inquiétez pas. je bah, non, mais, Tout de suite après. Oui, tout même, va elle, bien. Elle a tout, plein de choses à dire bien. sur le monde. Et moi, juste un micro-mot. Un micro-mot parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Delphine l'a mentionné en, en, en disant qu'elle remontait. Mais... Euh, j'ai été frappé récemment par une étude disant que euh, pour les jeunes diplômés, il restait très vite, après six mois, une nette différence de rémunération homme-femme. Donc, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on se dit et tous les efforts, parce que là, il y a un côté, bon, on a, on a tous fait de notre mieux, c'est vrai, hein, certainement, mais, mais si pendant ce temps-là, on, on continue à recréer des biais. Alors, dedans, il peut y avoir des biais euh, statistiques. Ça peut être euh, un travail à temps partiel, ça peut être un secteur mmh. différent, mais je crois même quand on corrige de tout ça, mmh. il y a 5% dès le début mmh. de carrière de plus pour, pour, ouais, pour les hommes aujourd'hui, Voilà -ce pendant qu'on des... qu parle. Ce que Donc, ça, c'est un vrai salaire. sujet aussi, parce que si on fait tout ça, mais qu'il n'y a pas d'égalité économique, d'indépendance économique, ça ne sera pas une. Alors, on avance ouais. pour pouvoir. De que je puisse donner la parole à tout le monde, mais tout est prêt, tout, tout, tout est sous contrôle. Peut-être Nicolas, de un, un, un mot peut-être sur ce point-là ou... Je, je reviens sur, le, sur le, Alors le... Nicolas et puis ensuite Rodolphe euh, Je dirais simplement que tout ce qu'on fait, on le fait parfois par intérêt, parfois par conviction, parfois par obligation. Mais euh, il faut faire attention que les médias historiques ont une responsabilité et plutôt vont dans le bon sens, euh, chacun en témoigne ici. Mais euh, parfois, il y a quelque chose d'un peu schizophrénique dans les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'ils n'aident pas les médias historiques ou plutôt avec une différence avec les médias sociaux. Or, sur les médias sociaux, on ne peut pas dire que ça soit euh, exemplaire en matière... Euh, voilà de douceur et d'exemplarité, euh, enfin pas tous, hein, mais certains. Et donc, euh, ce que je veux dire soutenir les médias historiques, en tous les cas, ne pas les pénaliser par rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi Bien faire en sorte que on puisse faire avancer les choses, parfois par la contrainte, parfois par la conviction, ce qui n'est pas le cas souvent des réseaux sociaux. Oh, comme je partage ce point. L juste un Rodolphe. petit, mot, euh, euh, je vais prendre longtemps pour dire que. Euh, on a quand même un peu une, une, une pratique ou une habitude dans ce pays qui est de euh, condamner pour tous les désordres de notre pays, un, les médias, de la pub. Bon, alors, les médias, on est là pour, pour s'expliquer aujourd'hui. Moi, je voudrais dire que euh, je trouve que la publicité en France, elle est très moderne et qu'elle embrasse les évolutions de la société. Alors, c'est vrai que ce n'est pas complètement avancé. parfait. Ouais. Les annonceurs, malheureusement ou heureusement, je ne veux pas être très populaire en disant ça, ils ont une logique de performance et en fait, ils font des publicités qui vont tester et qui vont vendre leurs produits. Et donc, en réalité, ils sont quelquefois un petit peu en retard par rapport à la vision, je dirais, euh, idéale que, que l'on que, que décrit aujourd'hui parce qu'ils sont un peu attachés par cette logique de... De, de performance mais en tout cas je pense que ce qu'on peut constater c'est que dans notre pays les publicitaires font des efforts très importants pour pousser des sujets d'inclusion pour pousser, pour, pour pousser des, 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 des sujets d'égalité des, des, euh, des gens, pour pousser des sujets de euh, composition moderne de la famille pour, sujets, pour, pour pousser des sujets de diversité euh, euh, de minorités visibles et donc je pense qu'on ne peut que se satisfaire que le moteur économique de nos médias pour la... enfin, oui, pour... oui, pour les médias. En Tous, ceux qui, Tous de... ceux qui sont en en là aujourd'hui, En réalité, euh, le... que, que, que ce moteur économique soit aussi moderne et aussi. Et euh, aussi, inclusif. Moi, je pense qu'il faut leur donner plus un encouragement aujourd'hui que, que de les stigmatiser. Moi, vous me connaissez, c'est que de l'encouragement, évidemment. Je passe tout de suite, euh, et je ne crois qu'à ça, à Lucie euh, Bedet et donc Cécile Méji. J'y viens parce que justement, plutôt en, en fin de tribune, ben, parce que c'est hyper important, parce que finalement, vous incarnez à la tête, chacune et, et l'autre, euh, des, des spécificités, ben, combinées, parce que c'est un média natif du numérique, et c'est pour ça que c'est important euh, de vous donner évidemment la parole et d'être présent aujourd'hui à la fin à côté de nos médias historiques, et puis France Média Monde aussi, parce que le public, c'est justement comme le disait Pierre Louette, le monde entier et c'est important que vous puissiez vous exprimer alors euh, eh ben Cécile, allez-y vous avez le micro. Sans question, je m'exprime sans question. Allez, Quel est le rôle modèle L'importance <laughs> du rôle modèle rôle modèle C'est ce qui de mieux. Oui. En général, vous général, voilà. vous hein. Social et sociétal, pour sociétal social le non, 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 ah, on, non, 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 non. non non, no, no, non no, Non, no, non non Non, Non, non no, Non, no, on no, 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 sur les no, ouais. sur no, on no, 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 On va rester contenu. sur les contenus. On a fait un petit pas de côté sur la publicité parce que c'était important de montrer aussi. Merci. Que la publicité joue un rôle et participe de l'économie des médias. Je crois que vous l'aurez tous compris, et tout le monde doit avoir cette responsabilité. Alors, donc sur, sur en les de sur les contenus. Donc les, les médias de France Média Monde, c'est RFI. France 24 et Monte Carlo Doualia, qui est une chaîne en langue arabe, une chaîne de service public français en langue arabe. Euh, et les publics de ces médias, qui parlent en 21 langues, euh, les publics de ces médias sont dans le monde entier par définition, l'audiovisuel extérieur de la France, euh, avec 260 millions de contacts euh, hebdomadaires. Donc à tous ces contacts, euh, effectivement, nous délivrons des contenus, alors avec des colonnes vertébrales. Euh, Très liés à l'info, mais des contenus qui se doivent d'être exemplaires en matière de euh, mixité, parité, représentation des femmes, et avec des problématiques. Alors, je rejoins entièrement tout ce qui a pu être dit euh, pendant les euh, trois premiers quarts d'heure de la table ronde. Mais euh, enfin, vous êtes neuf, hein. <laughs> c'est long. Mais, euh, mais il est vrai que, euh, en termes de contenu euh, pour des populations, alors par exemple, si, si on parle. Euh, des chaînes en français. Euh, les trois quarts de notre auditoire francophone se trouvent en Afrique, en Afrique francophone. Et là, les problématiques sont certes de parité, mais de parité au sens le plus euh, le plus élémentaire, le plus balbutiant, même parfois dans certains, certaines zones géographiques, où on parle euh, d'accès à l'éducation, euh, de lutte contre les violences faites aux petites filles et aux femmes, euh, de lutte contre la polygamie, puisque pour nous c'est un engagement. Euh, voilà. Donc c'est ce qui, ce qui apparaît sur nos antennes doivent être à la fois exemplaire et concernant pour nos publics donc là on revient à des problématiques qui euh, qui se posent ici aussi hein, euh, quand on a un auditoire euh, francophone euh, français et, et euh, dans le dans l'hexagone mais euh, avec une, une nécessité euh, d'être à la fois incitatif rôle modèle et c'est beaucoup sur' ces, ce, ce type de contenu que nous que nous tablons aussi dans, dans nos émissions on a des émissions spécifiques dédié aux femmes. On a un magazine de santé euh, quotidien qui, le vendredi, donne la parole aux femmes, pas seulement pour traiter des problématiques féminines, mais parce que c'est une émission interactive et que même sur des problématiques de santé qui, de fait, ou de maternité, ou de, de, euh, de santé de la petite enfance, concernent les femmes, on s'est rendu compte que si on ne comptait pas et si on ne décidait pas que c'était les femmes qui avaient le micro pour poser des questions, c'était les hommes qui posaient les questions à la place des femmes. Donc là, Donc on, on s'est dit, y a, là encore, voilà, il y a un petit ou, hiatus, ou il faut qu'il y ait un espace dédié. Après, l'idée, c'est aussi que ça doit irriguer l'ensemble de nos programmes. On n'a pas, euh, on doit avoir des cases dédiées et repérées, mais on doit aussi, euh, au fil de nos magazines, euh, pouvoir donner la parole à des expertes, que les femmes ne soient pas seulement là en tant que témoins ou victimes, on doit avoir euh, un, une attention très particulière au vocabulaire qui est employé, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut imaginer que sur une antenne quelle qu'elle soit on parle de crimes passionnel parce qu'alors là je pense que n'importe quel directeur ou directrice de l'info devient folle c'est inadmissible de parler de ce type d'utiliser de, de, ce type de vocabulaire donc tout ça fait partie de la façon dont on sensibilise et nos rédactions toutes et nos, nos audiences aussi après on a des séries spécifiques on a eu un podcast magnifique qui s'appelle ballet qui, qui prenait cette question du phénomène de #MeToo pour l'Afrique francophone, ce qui n'était pas une évidence parce que #MeToo est un mouvement extrêmement euh, occidental, occidental et de l'hémisphère nord. Et comment les femmes en Afrique francophone ont vécu cette euh, cette révolution Elles s'en sont emparées, mais d'une manière différente. Et il était essentiel de pouvoir le raconter. Et puis on, on revient aussi à, à des, des figures euh, tutélaires, j'allais dire, qui qui, qui sont des, des, des figures exemplaires qui permettent aussi aux petite fille d'aujourd'hui de se rendre compte que le combat... Il y a un combat et qu'il n'est pas que d'aujourd'hui, mais que euh, des grandes figures comme euh, Wangari Matai ou euh, les premières femmes députées euh, d'Afrique ou autres euh, sont des rôles modèles qui, qui les inspirent. Et je parle évidemment aussi des sportives. Annie Gasnier euh, n'est pas sportive, mais présente le magazine de foot. Enfin, elle est peut-être un peu sportive quand même, elle ne le dit pas <laughs> tous les jours. On la prend pour une brésilienne, hein, force. <laughs> elle présente le magazine de foot de RFI au quotidien et ça depuis plus de 15 ans. Donc voilà, il y a des voix à l'antenne, il y a des rôles exemplaires dans les contenus et il y a une attention extrêmement euh, précise on compte évidemment euh, on compte on compte le temps de parole alors 46 de temps de parole pour les femmes avec le même indice que celui qui évoquait Maxime Saada tout à l'heure oui. 46 sur l'antenne de France 24 qui est une chaîne d'info continue c'est un c'est vraiment elle est en première position et c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement important parce qu'on sait que l'info et beaucoup plus incarné, pas forcément en termes de présentatrice, mais en termes de, de, de l'orientation et de, de, voilà, oui. et de contenu Sujets par les hommes. Par Donc formidités. ça, c'est important. Voilà. Merci. Je, je pense avoir fait un mini tour, mais c'est essentiel. Et quand on se projette vers l'international, je pense que ça donne aussi une image de ce qu'est oui. l'audiovisuel français et la France, en quelque sorte. Parce sûr. que voilà, ce combat-là, il est mené en France. Il est mené ailleurs dans le monde aussi, mais je pense que c'est inspirant aussi euh, en termes d'images renvoyées euh, de, de, de là où on parle. D'où l'importance que vous soyez sur notre plateau avec nous, et je vous en remercie beaucoup. Évidemment, important la voix du monde. Lucie Bedet, donc vous êtes cofondatrice. Ça marche micro ouais, bon. Je suis cofondatrice de Combini, donc déjà, ça c'est un truc, c'est quand même. Euh, Alors allez On est d'une création paritaire, euh, nous, Combini. Donc, David est là d'ailleurs dans la salle, toujours en et, euh, et ça veut dire beaucoup de la façon dont on a fabriqué Combini il y a 15 ans maintenant. Donc, euh, 15 ans, ça veut dire qu'on a traversé toutes ces idées nouvelles euh, et qu'on les a embrassées. Euh, au, en plus, bon, avec notre position digitale, c'est difficile de ne pas les entendre, hein, de ne pas les voir naître aussi, puisque c'est notre métier. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment construit Combini avec ce, cette, on va dire, cette. Conscience là, et puis et puis après cette cohérence, on n'est pas exactement sur des choses à, à corriger dans Combini, on est sur des choses à bien faire euh, aujourd'hui, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on a par exemple une femme à la direction de la rédaction, on a une femme à la direction de la création. La création c'est hyper important aussi pour nous, on est un média créatif et visuel. Euh, on a parlé beaucoup de création et de femmes derrière les caméras, oui. mais il y a bien évidemment, quand on émet des images sur les réseaux sociaux, il y a aussi euh, le résultat, euh, l'image, l'iconographie qu'on peut transmettre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes sur ce type d'iconographie et qu'il faut des gens sensibilisés à l'image pour savoir juger si, euh, si l'image n'est pas peut-être problématique. Elle l'est souvent. Et revenons aussi sur un point qui m'a marqué lorsqu'on a préparé cette, cette table sur justement la cartographie, <coughs> par exemple, de la masculinité, ou alors la place des témoignantes. Ça, c'est quand même un point qui est, qui est très notable, je trouve. <coughs> et différencions parce que vous êtes un natif, justement. Alors, y a un... alors, on fait exactement comme tout le monde, c'est-à-dire la notion d'experte, on l'a entendu. Nous-mêmes, on travaille avec des outils, parce que maintenant, il y a des outils, et ça, c'est super. Vu qu'on aimait beaucoup, on a quand même besoin d'outils comme tout le monde. Après, nous, on a été plus itératifs. Euh, dans la façon dont on a fabriqué le truc. Et, euh, et on s'est rendu compte par nous-mêmes, avec notre bon sens. Euh, D'ailleurs, moi, je suis une créative, donc on a, euh, on a découvert ça au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en comptant par, par étapes que euh, quand euh, un, une ligne éditoriale était tenue par une femme, il y avait plus de femmes à l'écran spontanément. Alors que quand c'était tenu par un homme, il y avait plus d'hommes spontanément. Peut-être qu'un journaliste est plus à l'aise pour aller interviewer des hommes. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, en se rendant compte de ça, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on corrige quand même l'aspect RH et que les RH devaient être très très représentatifs, parce que en fait, ça impactait directement sur notre sur notre sur ce qu'on émettait. Et après, il y a un, un combini c'est donc les gens qui fabriquent, les, les, ce qu'on émet et les gens qu'on et les gens qu'on montre à la caméra, les talents, les mais c'est aussi euh, c'est aussi notre audience. Et c'est vrai qu'on a construit énormément de Combini euh, avec eux. Euh, avec tout ce qu'il y a de génial dedans et tout ce qu'il y a de galère dedans. Euh, ce qu'il y a de génial, c'est euh, ben, par exemple au début, Combini, on faisait que de la culture. Et, euh, et puis un jour, on a eu un témoignage d'une jeune femme qui nous a contacté sur Twitter et qui nous a euh, demandé de pouvoir témoigner. Elle était séropositive euh, et hétérosexuelle. Et euh, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et c'est cette jeune femme qui nous a fait switcher sur un modèle où on a commencé à parler de société. Et, euh, et du coup, cette construction avec l'audience, elle, elle est devenue assez essentielle. Et puis, euh, et puis cette construction euh, avec l'audience, elle a quelque chose d'assez complexe aussi à gérer. Euh, notamment, euh, on a fait beaucoup de choses sur le rap, euh, on a fait beaucoup de choses, bien évidemment, dans le cinéma. On voit bien que c'est difficile d'avoir une parité à l'écran euh, euh, sur euh, les rappeurs, même si on a énormément progressé euh, depuis cinq ans et j'en suis vraiment. Euh, Enchantée. Euh, pareil pour les réalisatrices, et je suis tout à fait d'accord et, et on travaille aussi sur ce sujet. Mais c'est vrai aussi que l'accueil la, la, de l'audience n'est pas exceptionnel sur le digital. On, on subit des. J'ai entendu le mot critique tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est euh, peu de gens, mais ils parlent très très fort et, euh, et assez mal. <laughs> Donc euh, on, on a ce travail avec l'audience euh, où on a un travail d'éducation à faire aussi, de pédagogie et de rappeler que, que c'est criminel de, de faire ce genre de choses. Donc on a fait un, une campagne sur le cyberharcèlement qui s'appelle Engager, euh, où, où on demande aux gens de protéger les femmes qui passent sur Combiné, euh, et on, où on suggère, on va dire, l'idée que c'est très très mal et qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qui est... Euh, ce qui est important, c'est le sexisme, il est aussi énormément dans les commentaires sur les réseaux sociaux et qu'on a tous un travail à faire sur, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur le, le travail de l'image. Delphine, vous voulez ajouter un point bah Moi, je voulais tout à fait rebondir là-dessus parce qu'évidemment, maintenant, on travaille euh, à, à parité, si je puis dire, sur, sur le numérique et sur les, nos antennes traditionnelles. Sur le numérique, on voit bien aussi qu'avec l'intelligence artificielle, ne prenons qu'une un, partie de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative, la maîtrise du langage, etc. En fait, euh, ChatGPT, que tout le monde a utilisé dans la salle, j'imagine, et que maintenant tout le monde utilise, à commencer par nos journalistes, en fait s'appuie sur euh, une base historique sur le net. Donc, et typiquement dans la reproduction de biais existants euh, à plein tube. Donc il euh, y a un vrai sujet sur les outils qui rebrassent euh, le passé. Il mm. y a un vrai sujet sur qui développe les algorithmes. Est-ce qu'on est voilà, est qu peut considérer que les, les algorithmes sont dans une forme de reproduction de biais également, auquel cas il faut s'en méfier Parce que là, en fait, le digital qui était un espace il y a maintenant 30 ans complètement vierge, euh, il reproduit exactement tous les biais de l'espace réel. Euh, avec en plus une automatisation de la reproduction de ces biais que je trouve inquiétante. Enfin, inquiétante au sens, pas dans l'absolu, hein, oui. mais inquiétante au sens de la question du, de l'amélioration de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est un vrai sujet et qui se joue aussi, bien sûr, toujours dans nos médias. Bien sûr, c'est vraiment important, peut-être. Peut oui, bah, Mariam Salehi, oui, c'est juste... important sur le... Oui, juste un petit point, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la publicité en disant est-ce que la publicité en faisait assez pour euh, représenter une image, l'image d'une société vers laquelle on, on aimerait se tendre et on la retrouver C'était plutôt est-ce que vous, oui. vous y êtes attentif Est-ce que et nous, euh... on y est attentif Mais en revanche, euh, et je pense qu'on a un point commun avec le, avec le groupe M6, je profite de la présence de Nicolas, qui est aussi nous, euh, dans nos groupes, nous avons notamment des euh, quotas ou des obligations en matière musicale et j'invite quand même un peu la salle et ses participants à regarder parfois les représentations des femmes dans les vidéoclips de musique que nous devons par ailleurs nous diffuser pour euh, pardon mais satisfaire à nos obligations. Et bien sûr. Et je pense que ma question sur la autant pub, autant mais c'est la même autant, en fait. mais la même je pense même. que la, le, le monde point. de la publicité a vraiment plus qu'un temps d'avance et a déjà embrassé ces ces sujets de société. On peut toujours mieux faire. En revanche, sur l'industrie de la musique et sur les vidéoclips, vous avez parlé tout à l'heure de l'univers du rap. Euh, je pense que là aussi, lorsqu'on demande euh, à, aux acteurs, aux médias, euh, le groupe M6, le groupe énergie, de satisfaire un certain nombre d'obligations de quotas en matière musicale, je pense que la sensibilisation de l'industrie de la musique et notamment la représentation de l'image de la femme dans les vidéoclips et dans l'univers du rap, devrait aussi faire l'objet d'une euh, je veux pas dire d'une interpellation mais d'une sensibilisation particulière. On va le faire aux assises, c'est certain. Euh, une petite bascule, on revient et je reste avec, euh, avec, euh, avec toi, Mariam Sally, sur euh, justement la, la partie euh, sociale. On a vu les contenus, on a vu comment vous les avez faits. Je vais revenir et puis avec Cécile et ensuite. Euh, pour, euh, pour vous, en tout cas, euh, le Woman at Energy, c'est quoi en un genre... en mot. En le groupe Énergie a toujours été engagé dans la parité. D'abord, au niveau de sa gouvernance, juste Énergie, Group société, côté, bon. 62% de femmes à son conseil d'administration. Je voulais le souligner. Ensuite, on s'est dit qu'en interne, il fallait qu'on mobilise aussi les femmes autour du sujet, pardonnez-moi de cet anglicisme, de l'empowerment, et notamment parce que nous avons des métiers techniques. On a la deux, le deuxième diffuseur de France qui est Towercast. Et on s'apercevait, Madame la Ministre a donné le chiffre tout à l'heure, il n'y avait que 20% de femmes dans les métiers techniques et 20% de femmes ingénieures. Et donc, en réalité, le pilier de ce programme interne qui est woman at Energy, c'est à la fois de permettre à l'ensemble de, de notre équipe féminine, mais pas que, d'avoir des entretiens de manière assez privilégiée avec des femmes, avec des parcours inspirants, notamment par exemple Roxane Barza, qui est la patronne de la station F, donc la tech. Et également, on a un programme interne où. Les quelques femmes qui sont dans, la, dans les métiers techniques viennent parler aux autres femmes pour dire que les métiers d'ingénieurs, les métiers techniques ne sont pas réservés uniquement aux hommes et que là, on a aussi un vrai chemin à faire. Il y a un chemin aussi à faire. Cécile Mégy en matière de responsabilité, de recrutement, moi je crois que vous avez une politique très volontariste au sein de France Média Monde. Alors, on a une politique volontariste et depuis on va le dire, l'arrivée de Marie-Christine Saragosse à la tête de, de cette entreprise c'est une obligation, juste à titre d'exemple les directeurs COMEX concernés par les questions RH et notamment les directeurs de chaîne jusqu'à présent, directrice et directeurs de chaîne aujourd'hui, euh, ont une part de leur part variable qui est indexée sur euh, la parité dans leurs équipes. Donc, en termes de recrutement, euh, voilà, on, on, est, euh, on est volontariste, il y a des quotas. Euh, L'entreprise aujourd'hui, c'est 51% de femmes, un COMEX paritaire, bien évidemment, et. Comme, euh, comme vient de le dire euh, euh, l'interlocutrice précédente. Mariam Salé. Voilà, Mariam. Euh, le, le, les métiers techniques euh, et les métiers du numérique sont regardés beaucoup plus attentivement. Aujourd'hui, 40% de la direction des environnements numériques de France Média Monde euh, est représentée par des femmes. À la direction technique et des systèmes d'information, qui sont les métiers techniques anciens de la radio et de la télé, là, c'est beaucoup plus difficile. Pour l'instant, on affleure les 30%, mais on nomme à des postes assez exemplaires, et je pense qu'il y a encore du progrès à faire, mais des postes comme le secrétariat général. Qui s'occupe du recrutement, comme la formation des responsables euh, femmes, de façon à pouvoir justement avoir et mener encore plus cette, euh, cette nécessité, cette nécessité. Euh, de recrutement euh, de femmes et aller dans les écoles. On l'a dit tout à l'heure, il faut que ça commence euh, au recrutement dans les écoles de formation des journalistes, des techniciens, oui. des techniciennes. D'ailleurs, voilà. euh, Dailymotion a un partenariat en un mot. Oui, il n'y a pas de fatalité, c'est ça le mot, pardon. Non. Oui, Ça non, il n'y a interrompt. pas de fatalité, il faut qu'on continue à travailler. Il y a juste un, un exemple rigolo quand même, enfin, ou amusant, on va dire, un clin d'œil. Un index professionnel, vous le savez toutes et tous, existe, et euh, nous nous y conformons depuis euh, 2020 maintenant. Euh, en 2020, on avait 100%, donc on était extrêmement heureux. Et en 2021, on est passé à 99%, on s'est demandé pourquoi, parce que les femmes sont un peu plus payées, mieux payées que les hommes à France Média Monde. Bon. Voilà. Donc bravo à vous, la même chose, super. Une phrase pour ensuite terminer avec Lucie, Benet. une phrase maximum. J'ai presque honte avec mon 97% chez Dailymotion. Hein oui. <coughs> oui. euh, donc on est à parité en gouvernance, on a 41% dans nos effectifs de, de femmes et on est à égalité salariale parfaite chez Dailymotion, ce que je m'étais engagé à faire en trois ans et qu'on a fait en trois ans, merci pour ça. Euh, non, mais le, parce que c'est une boîte tech et c'est ça qui est le, important. Le, le, le sujet, le... c'est qu'il y a 12% uniquement de femmes développeuses en France. Voilà. voilà. Et donc on a évidemment remonté la filière, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc on finance des bourses trois bourses, pour des femmes, il y a toujours ce sujet pardon, de confiance, pour des femmes qui n'ont pas nécessairement de formation technique, il suffit juste d'avoir 18 ans euh, pour participer à l'ADA Tech School, c'est avec la l'ADA Tech School qu'on fait ça, et donc on finance des bourses pour former des femmes, et pour ensuite éventuellement les recruter ou qu'elles aillent travailler ailleurs, mais dans le développement. Merci beaucoup, un dernier mot, je laisse la parole à, à Combini, puisqu'on est passé de l'ancien Nouveau Média, tous ensemble, euh, donc Lucille Bedé, un point, Lucie Bedé, pardon, 75 euh, 64... 14% des Français pensent que la question française, eux et Français bien sûr, euh, pensent que la question de la parité est incontournable. Euh, vous êtes la cofondatrice euh, donc de Combini. Les autres postes, vous nous dites qui les occupe hein, À la euh, direction. Direction euh, de la rédaction, euh, c'est une femme, c'est Marie Missé. Euh, direction des ressources humaines, c'est euh, Cécile Poisson. Donc on a des femmes, des femmes. Euh, et puis les dix plus gros salaires de Combini sont en parité égale. Euh. Parité égale. Voilà. Terminer sur euh, ce bel exemple. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, beaucoup. Merci à, à tous pour, ces, pour ce pour moment d'échange euh, autour de la question des égalité hommes femmes et des médias. Euh, on va enchaîner tout de suite sur un autre sujet euh, qui est assez proche, qui est celui de, des questions de d'écart euh, hommes femme en termes de salaire dans les entreprises privées. Et pour ce faire, j'accueille Martine Esquirou, qui est co-organisatrice des assises de la parité chez IWF, qui est accompagnée de Pierre Lamblin, qui est directeur des études au sein de l'APEC. Bonjour, je vous en prie, euh, asseyez-vous si vous voulez. Oui. Bonjour à tous, nous enchaînons euh, directement. Nous avons quelques minutes de retard et je suis extrêmement heureuse d'accueillir Pierre Lamblin, qui est directeur des études pour l'APEC. Alors l'APEC, vous connaissez tous, c'est l'association pour l'emploi des cadres. C'est une association qui accompagne non seulement les cadres, mais aussi les entreprises, ce que l'on sait moins, avec de très nombreux services, des outils pour décrypter le marché de l'emploi, parmi ces outils de la veille, des données et bien entendu des études. Et Pierre nous présente aujourd'hui la dernière étude sur les écarts salariaux pour les cadres dans le privé. Et je crois que Pierre est un peu désespéré parce que cette étude, il l'a fait depuis plus de dix ans. Et les chiffres ne bougent pas. Pierre, à vous. Oui, merci. Mar oui, 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 merci Martine. Euh, en effet, c'est assez affigeant, vous, vous allez le voir dans les, dans les quelques slides euh, et les résultats que je vous présenter et hein, puisque euh, je vous présente en exclusivité donc euh, la dernière édition du baromètre. Euh, annuel APEC de la rémunération des cadres, hein, c'est la quatorzième édition, et euh, le focus tout particulier sur les écarts salariaux entre les femmes et les cadres, les, les femmes et les hommes, pardon, chez les cadres, euh, on le mène depuis euh, 2014, puisque euh, c'est un peu dans nos gènes à l'APEC, dans notre raison, raison d'être, euh, de lutter contre les discriminations et toute forme d'inégalité, hein, notamment entre les femmes et les hommes. Alors, déjà, euh, un premier constat, qu'en qu a-t-il été de l'augmentation des salaires en, en 2022 pour les cadres, une augmentation de, de plus de 2% euh, après euh, quelques années de, de stabilité hein, par, le, par le passé Alors, Je le rappelle, le contexte était euh, très très favorable hein, puisque euh, le marché n'a jamais été aussi dynamique qu'en 2022 avec un record euh, et un cap franchi des plus de 300 000 recrutements de cadres en 2022. Euh, également un contexte de tension, euh, difficulté de recrutement comme jamais aussi euh, élevé hein, sur le marché. Euh, ce qui se traduit aussi par un niveau d'exigence euh, pour les cadres, euh, mais aussi pour les candidats. Donc pour les cadres ben, qui, qui restent dans, dans leur entreprise euh, en matière de ré rémunération, donc un, un niveau d'exigence élevé, et aussi pour les candidats qui cherchent un, un nouvel emploi. Euh, et. Euh, Enfin, donc, euh, dynamisme, euh, tension, mais le troisième facteur, c'est aussi l'inflation qui s'est installée euh, à nouveau euh, en 2022, une très forte inflation, donc qui a contribué aussi euh, à, euh, à faire évoluer les rémunérations. Euh, deuxième constat, et, et, et là, c'est assez, euh, euh, assez aussi euh, consternant, si je puis dire. Puisque si la part des cadres augmentés n'a jamais été aussi forte en 2022, on observe une part de 57%, et vous le voyez très bien sur le graphique, elle évolue aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En revanche, la part des femmes cadres augmentés est toujours plus faible, est encore inférieure à celle des hommes, puisqu'on observe un écart de... De 5 points, 54% pour les femmes, versus 59% pour, pour les hommes. Donc, dit autrement, rien ne change. Malheureusement, même si la part des cadres augmentés est bien supérieure, n'a jamais été aussi forte, et elle peut l'être dans certains secteurs, comme l'industrie ou dans les grandes entreprises. En tout cas, le constat est toujours le même, à savoir des femmes moins souvent, moins fréquemment augmentées. Et là, je parle de la part, je ne parle pas aussi de. Euh, du, euh, du taux d'augmentation, euh, qui soit individuels ou collectifs. Hein. Euh, troisième constat, cet écart euh, entre les femmes et les hommes, euh, il, euh, il augmente quel que soit l'âge. Que il augmente avec l'âge euh, et quelle que soit la catégorie d'âge. Donc, si on observe un écart de, de 8 points avant euh, l'âge de 55 ans, bon, il se réduit avec, euh, avec l'ancienneté, euh, l'expérience. Euh, sachant que les cadres sont moins augmentés euh, quand ils ont 50 ans et plus ou 55 ans et plus. Euh, en tout cas, cet écart euh, euh, varie euh, selon l'âge et ne se réduit pas. Il est toujours en défaveur des, des femmes. C'est même l'inverse. J'ai en tête, lorsque nous avons préparé votre, votre intervention, le fait que à l'embauche, l'écart est déjà de 4%, mais au-dessus de 50 ans, l'écart est de 15%. Donc les femmes seniors parce qu'entre temps, elles se sont arrêtées pour faire des enfants, par exemple, mais ce n'est pas la seule raison. L'écart pour les femmes seniors de plus de 50 ans est de 15%. Est-ce ouais. que c'est exact on, on va le voir dans la slide suivante, tout à fait, merci Martine. Là, je parlais des, de, de la proportion de carte augmentés. Alors, maintenant, on va venir sur qu'en est-il de l'écart de salaire, euh, euh, si on considère les salaires médians. Et vous l'avez dans la slide suivante, ici, euh, euh, que, dont je ne vais pas commenter tous les chiffres. Mais simplement euh, une chose, c'est de dire que les hommes cadres gagnent toujours 15% de plus que les femmes cadres. Hein, si on considère le salaire médian, bon, c'est à peu près la même chose si on considère le salaire moyen, ça ne change pas grand-chose. Hein. Euh, savoir que les hommes cadres gagnent 55 000 euros contre 48 000 euros pour les femmes cadres, c'est un constat que je vais qualifier d'affligeant, euh, puisqu'il se répète année après année, euh, et ce depuis 10 ans. Donc euh, là aussi, rien ne change. Euh, et on peut même ajouter que la progression euh, de la rémunération en, 2020 non, en 2022 n'a pas eu d'effet sur la réduction des écarts, qui plus est. Donc c'est d'autant plus euh, dommageable, si je puis dire. Euh, et enfin, cet écart, il s'accroît. Euh, si l on, on a 15%, comme l'a dit Martine, hein, il s'accroît avec l'âge. On est à 6% au début de carrière. On est euh, jusqu'à 19%... Euh, euh, plutôt en fin de carrière, à partir de 55 ans et plus, hein, même si la carrière aujourd'hui euh, va se prolonger, euh, compte tenu euh, de la forme des retraites. Alors, trois raisons à, à, à ces écarts. Alors, en début de carrière, ça s'explique par le fait que euh, euh, les emplois occupés par les femmes et les hommes sont, sont différents. Les, les hommes sont surreprésentés dans euh, les fonctions euh, plus rémunératrices. On a évoqué euh, précédemment euh, euh, les métiers d'ingénieur. Euh, euh, ben, comme dans l'informatique, par exemple, on a une sous-représentation des femmes euh, et elles n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et souvent euh, pour euh, une rémunération euh, plus faible. Euh, avec l'expérience, cette fois, euh, ben les, les, les femmes sont moins présentes euh, dans les fonctions, dans les postes à, à plus haute responsabilité, ce qui traduit un moindre accès des femmes. Euh, à, à l'évolution vers les postes de manager ou euh, de direction. Euh, dit autrement, c'est le fameux plafond de verre qui euh, persiste euh, en France et contre euh, eux, on, euh, on souhaiterait que beaucoup plus d'acteurs euh, luttent au quotidien. Juste pour le traduire, parmi les femmes, on a 32% de managers contre eux, 46% de managers parmi les hommes. Euh, et enfin, euh, ça a été évoqué, je pense, tout au début de la table ronde précédente, c'est le temps partiel, puisqu'on a bien davantage de femmes. Qui sont tant en partiel que, que les hommes. Alors, ceci étant, euh, voilà, on est en salaire médian, salaire moyen, donc il y a les effets de structure, comme je l'ai évoqué euh, derrière tout cela. Et maintenant, regardons, euh, si l'on si compare euh, ce qui est comparable, toute chose égale par ailleurs, ou dit autrement, à profil et poste identique, c'est-à-dire à, à caractéristiques égales selon l'individu, son âge, sexe, sa, sa formation. Mais aussi caractéristiques égales euh, dans l'emploi occupé, donc la fonction, euh, et également euh, l'expérience, le secteur, la taille d'entreprise euh, qui peuvent bien sûr euh, influer. Donc 7,1%. Et, et, et là, nous observons, là aussi. Sans euh, excuse, en quelque sorte. Un constat qui, euh, qui ne change pas, à savoir que les hommes cadres euh, gagnent à profil identique 7% de plus que, que les hommes. Et euh, là aussi, malgré euh, les bonnes intentions, les, les efforts que, euh, que font les entreprises euh, aussi à l'aide de, euh, de leurs IEP, hein, bien sûr, les, les organisations syndicales sont aussi présentes fortement en entreprise. Malgré tout cela, malgré la mise en place des lois comme l'index égalité professionnelle, vers lequel euh, une, grand, une très grande majorité euh, d'entreprises convergent pour atteindre, pour être au delà des, des 75 points euh, sur 100. Hein, euh, bah, ça ne suffit pas puisque euh, cet écart à profil identique euh, est, est quasiment stable depuis la première mesure effectuée par la PEC, à savoir. C'est-à-dire depuis 14 euh, 2014. Ans. Voilà. Alors, euh, nos travaux montrent aussi, euh, puisque c'est toujours intéressant de mettre en perspective ce que ça représente, si l'on compare par rapport à la population non cadre l'écart à profil identique est, est bien supérieur chez les cadres que chez les non cadres. Hein. On est à 7% chez les cadres. On est à 4,1 chez les longs cadres. Je renvoie à une mesure euh, faite pour 2001, euh, 2021 pour, par, par l'INSEE. Là aussi, il s'accroît avec l'âge. On est à moins de 3% chez les moins de 35 ans et on euh, approche les 10% euh, chez euh, les 55 ans et plus. Euh, là aussi, ça traduit euh, ben, une réalité euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir. Les emplois occupés qui diffèrent, les évolutions aussi qui diffèrent. Là, je parle d'une photo à l'instant T, donc euh, euh, à l'instant T, voilà l'écart de salaire profitantique. Euh, quand on réalise des diagnostics euh, euh, ad hoc pour le compte des entreprises, on est amené aussi à, à regarder euh, la vidéo, si je puis dire, ce qui, ce qui se passe en matière d'évolution professionnelle, la probabilité d'accès euh, euh, à, à la formation, qui est parfois plus faible pour une femme par rapport à un homme. La probabilité aussi d'évoluer dans tel ou tel métier, dans telle ou telle fonction, qui est parfois beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes. Donc, il y a la vidéo, c'est une chose, la photo en est une autre. Là aussi, des écarts existent selon les fonctions. On peut se réjouir que dans la comptabilité, qui est un monde aujourd'hui qui, qui se traduit par de fortes tensions de recrutement, euh, on a un écart qui a évolué positivement en faveur des femmes, alors qu'il était au détriment des femmes par le passé. En donc, revanche, dans l'informatique, on a toujours le même constat, même si l'écart a tendance à se réduire. Donc il existe quand même des leviers, l'accès à la formation, l'accès à la promotion, euh, pour euh, essayer de réduire cette, euh, cet écart. Euh, Pierre, qui est un observateur impartial, constate que ça ne bouge pas beaucoup depuis que l'Observatoire existe, mais nous allons continuer avec vous de, de regarder cet Observatoire année après année, dans l'espoir qu'avec les quotas, avec les réglementations, avec les efforts de tout le monde, nous allons améliorer les choses. C'est un effort de beaucoup. tous Martine, en effet, euh, euh, et euh, il faut agir plus fort et le plus vite. Euh. Euh, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a trois priorités d'action qui ont été révélées par, par les cadres lorsqu'on les a interrogés récemment. La première, c'est lutter contre les inégalités euh, et de manière générale contre les discriminations que j'évoquais. Hein. C'est le combat quotidien, nous, à la PEC, euh, au, au niveau, bien sûr, de ce qui nous concerne plus particulièrement, à savoir le, le recrutement. Euh, mais c'est aussi pour les entreprises euh, à prendre des mesures qui vont plus loin, justement, pour réduire... Euh, des mesures correctrices de réduction des écarts. Encore faut-il les mesurer efficacement euh, avec des méthodes appropriées, hein, ce que l'on fait dans, dans, des, euh, dans des prestations ad euh, hoc. Euh, et et c'est possible, c'est possible. Euh, ce n'est pas impossible, euh, sachant qu'on n'est pas obligé de redire à zéro. On peut, on peut atteindre euh, un écart plus faible. J'ai tendance à dire que quand on est à, à plus ou moins un, plus ou moins deux d'écart à profit identique, c'est déjà mieux qu'à sept. Enfin, la deuxième priorité, c'est aussi changer la mentalité des dirigeants, et des managers. C'est sensibiliser les managers sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes euh, tout au long du process euh, euh, des, des RH et euh, les enjeux en matière de, de performance aussi. Hein. J'ai évoqué la formation, j'ai évoqué euh, bien sûr la rémunération, mais aussi l'évolution professionnelle. Et enfin, c'est faire en sorte de de contribuer à une meilleure euh, conciliation entre les temps de vie personnelle et les temps de vie professionnelle. On l'a euh, étudié, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez les retrouver, retrouver tous ces euh, résultats sur notre site corporate ou euh, sur le site apec.fr de l'APEC, mais on le sait, euh, une meilleure conciliation entre vie pro et vie perso euh, contribue fortement. Justement, euh, à euh, un meilleur épanouissement des femmes dans, dans leur travail. Et, et euh, ce qui y contribue notamment, c'est les télétravail. Et éventuellement des, des hommes aussi. Donc, s'il si y a des entreprises qui veulent s'attaquer au problème, vous pouvez vous adresser, bien entendu, à la PEC. Et merci à tous d'être là pour cette journée où nous essayons un peu de travailler sur le sujet. <laughs> merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation... Il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent. C'est à nous d'agir. Ensemble, Ensemble, faisons bouger les, les lignes. lignes.